accueille Jian Abdellila, qui est championne de MMA, les arts martiaux mixtes les plus complets qui existent. Jian a développé une méthode pour apprendre aux femmes à se défendre. Regardez à quoi ça ressemble. Je vais pousser avec tout mon corps et passer dans son dos. Une fois que j'ai les crochets ici, elle ne peut plus lever les jambes. Ok ? Le genou vers l'arrière, poser la main. La main à la place de mon pied. Ok ? C'est fort. Je vais le frapper, je vais l'avoir. Ça peut faire peur. Ah mon Dieu, venez-moi en aide. Moi, je frappe avec l'intention de détruire. Je cherche le chaos. Bonsoir, Jian Abdellila. On est très content de vous recevoir ce soir. Vous êtes une battante au palmarès magnifique. Vous avez 12 titres nationaux et internationaux en MMA, en boxe française et en grappling. C'est la lutte au sol. Vous êtes championne du monde. Vous avez fondé la Jian Academy pour apprendre aux femmes à mieux se défendre. Et c'est vrai qu'on a plein de mauvais réflexes. Par exemple, c'est contre-intuitif, mais face à l'agresseur, il faut essayer surtout de se coller à lui. Par exemple, alors ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment l'espace que j'ai dans la salle, mais en effet, si je ne veux pas prendre de coups, je serai plus en sécurité collée à la personne, parce que quand je suis collée, elle ne peut pas me frapper, ou alors si elle frappe, ça aura beaucoup moins d'impact. Et il faut tout de suite essayer de le mettre au sol. Alors moi, dans ce que j'apprends, oui, j'utilise beaucoup les techniques du grappling et du MMA, et en fait, je me rends compte que debout, tout le monde peut mettre KO quelqu'un, ça peut aller très très vite, alors que le combat au sol... Mais en fait, si on ne connaît pas, si on n'a pas de motricité spécifique au sol, on ne peut pas, on peut pas se défendre. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration ? Eh bien, bien sûr, allons-y. Allez. On y va. Moi, j'ai pas le temps. Je suis mais tout le monde vient. Moi, j'y vais, mais j'ai peur. Et moi, on vous regarde. On peut vous applaudir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait que Victor vous agresse et vous. Oui. Au hasard. Je dois donc agresser madame. Mais oui, je dois adresser. T'as jamais vu un agresseur comme ça dans la rue. Je vous agresse, madame. Donc, je fais quoi ? Alors, par exemple, en fait, ce qui peut faire peur, ce sont les situations où on s'imagine quelque chose et on est en panique, donc souvent on parle de sidération, etc. Mais quand on a des méthodes et quand on comprend certaines logiques, c'est extrêmement facile de s'en sortir. Donc par exemple, sur quelqu'un qui va, ouais, je suis désolée, étrangler une main, on va faire quelque chose d'assez simple. Alors ça, c'est une situation qu'on voit très souvent, en tout cas que moi, les femmes me rapportent très souvent. Et en fait, on a l'impression ici, quand on a quelqu'un qui nous attrape par le cou, que tout est fini. Oui. Okay, ouais. Déjà, en soi... en termes de mobilité, à partir du moment où je peux tourner mon corps... Oui, c'est logique. En vrai, je ne suis pas prise dans cette situation. Parce que le réflexe qu'on a, c'est de bouger la main. Exactement. Bras, mais s'il me serre très fort, je vous laisse... Ouais. Vous avez mon consentement. OK. S'il serre très, très fort, je ne peux pas bouger sa main. Ouais. Non. Allez, ça ne marche pas. Mais en fait, on va être focalisé sur « il faut que je me libère ». Déjà, un étranglement à une main, on a le temps avant qu'il se passe quelque chose. Mais déjà, en soi, allez-y, je vous laisse serrer très, très fort. Et là, on voit vraiment qu'il serre très, très fort. Oui. En soi, si je tourne ici... Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Et donc ah oui, là, vous êtes libéré, ça suffit. Et ça suffit, en fait. Maintenant, en soi, il va falloir que je trouve une manière de sortir. Parce que là, quand je sors, je me retrouve dos à lui. Mm. Donc en soi, il peut m'attraper par les cheveux, m'étrangler autrement. Alors que ce qui fait la particularité de la force des êtres humains, c'est le pouce. Mm. En fait, si vous n'avez pas votre pouce, vous ne pouvez pas serrer. Donc si je mets une action en direction du pouce, donc là, s'il serre très fort, si je tourne ma tête par ici, on entend bien que ma voix se serre. Alors que si je tourne ma tête par ici... Comment on se débarrasse du bras ? Il suffit de tourner la tête ici... Vers le pouce. En fait, quand je tape ici... Sans m'éclaper, en fait. Exactement. Le pouce au niveau ne serre au niveau de son bras, en fait, dans son... le bras n'est pas fait pour se plier dans ce sens-là. Excusez-moi. Il a tellement pas la tête d'un agresseur. J'ai jamais vu une tête gentille qui tremble comme ça. Alors que si je tape par ici, son bras, il peut résister. Parce qu'il y a le biceps et les autres muscles. Alors que là, si je tape par ici, tout simplement. Et ça ne demande pas de force. Alors très souvent, on a l'impression que pour se libérer des choses, il faut faire des trucs qui sont spectaculaires, qui demandent énormément de force. En soi, non, ça ne demande pas de force. Vous voulez faire la démo, Agathe, Max, pour voir... On n'a pas le temps. T'étrangles ? Ouais. L'inverse, sinon ce serait drôle. Ah oui. Bah, tu me donnes ton consentement. N'oublie pas que je suis chanteuse. Ouais. Attends, tu me donnes le consentement, mais je ne serre pas fort. Je donne mon consentement. Oui, si, il faut serrer fort. Non, pas trop. Non, oh là. Non, mais voilà. Le fait, il faut d'abord tourner la tête vers moi. Vas-y. Voilà. Pousser le bras et sortir par là. Et au sol, alors, si on se met au sol. Par exemple, sur cet étranglement-là, j'aurais pu aussi l'amener au sol. J'aurais pu attraper juste ici, au niveau de son coude, ok, et... Ah, putain ! L'amener avec moi au sol. Mais c'était rien, pourquoi tout ce bruit ?
Bah là, il s'est fait croiser pour de vrai. Hein. Mais je peux pas, ce travail. Il était pas prévu. Il était tout doux, le truc. Il a crié beaucoup trop fort. Voilà, en fait, et ensuite, qu'est-ce qu'on lui fait une fois qu'il... On a l'impression que c'est tout doux. Ah oui, c'est pas tout doux. En fait, voilà, mais ça demande pas de force. Mais moi, c'est quoi? Mais rien. Et maintenant, on lui fait quoi? Mais non, t'as eu ça, vraiment, c'est pas grave. Mais t'as fait comme ça. On a entendu boum. Peut-être qu'on va le continuer avec Max. Non, j'ai mal au dos. Ah, pourquoi il faut qu'on se mette au sol? Je vous laisse vous mettre par ici. Ouais. Alors, pour, au début, debout peut-être. Ok. Hop. Donc là, on a l'impression que moi, en étant au sol, je suis vulnérable. Et que lui, comme il est debout et qu'il a toute sa hauteur, il me domine physiquement. Mais quand on regarde tout ce qui est combat de jiu-jitsu brésilien, combat de MMA, il y a énormément de phases de combat qui se passent au sol. D'ailleurs, au jiu-jitsu brésilien, on va tirer la garde et on se met directement au sol. Pourquoi ? Parce que ça nous offre plein de possibilités. Déjà, en tant que femme, je vais pouvoir frapper d'ici. Et mes frappes, je ne vais pas le faire. Quand je vais frapper dans cette position, ce sera beaucoup plus puissant que quand je serai debout. Ouais. Okay ? Parce que je vais pouvoir utiliser mes bras, frapper ici, frapper dans les jambes. Et même en étant dans cette position ici, je vais pouvoir également... utiliser des frappes. Donc même si l'agresseur n'est pas au sol, nous, notre intérêt aussi, c'est de se mettre sur le dos pour donner plein de coups. Quoi. Pour donner des coups, frapper, le garder à distance. Je vais pouvoir aussi, hop, je me permets... Oula. Mais restons sur vous, non? Non, non, là, vous allez rester debout. Venir prendre des contrôles ici, qui sont des contrôles de jiu-jitsu brésilien, okay, qui vont contrôler tout son corps. Là, je contrôle et ses hanches et son corps. Okay. Alors, on va reprendre l'étranglement. Qu'on a vu tout à l'heure. On peut faire avec Max, hein, si vous voulez. Je pense c'est bien avec Max. Comme ça, Max. Allez-y, Max. Ah ouais. Qu'est-ce que je fais? Alors, par exemple... Un coup, Non. Ah, je suis très fragile. Alors, moi, ce qu'on me demande souvent, c'est si je suis allongée, que la personne est à califourchon sur moi et qu'elle m'étrangle. Mm-hmm. Comment je fais? Allons-y. Ok, bon, je vais très doucement, très, très doucement. Mais on ne fait rien de brusque. Il faut se mettre sur les genoux. Ah, sur les genoux. Aïe, déjà, ça fait mal. Aïe. Voilà. Donc, je fais comme ça. Exactement. Voilà. Alors, il va falloir juste faire attention. Alors déjà, quelqu'un qui m'étrangle ici, là, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que je n'ai pas le temps de respirer. Ouais. Okay. Donc s'il appuie très fort, je n'ai pas le temps de respirer. Ouais. Par contre, lui, quand il m'étrangle, tout son poids est ici dans ses bras. Donc c'est facile. Ouais. Donc allez-y, étranglez. Donc moi déjà, le simple fait de venir ponter, c'est-à-dire lever mes fesses. C'est exactement ça. Je vais l'envoyer vers l'avant. D'accord. Donc moi, je veux que la personne se retrouve... Donc si je me retrouve là, je suis foutu. Ici, vers l'avant. Voilà. Ensuite, je vais juste avoir à... Bon, ça suffit. Hein. Revenir ma tête au-dessus de la sienne. Mm-hmm. Regardez mon bras, je vais le passer, je vais lui enlever un appui. Ouais. Oui, d'accord. Okay. Donc là, je tombe. Là, je saisis, je vais lui enlever un appui. Si je roule de l'autre côté, et là, j'ai juste besoin de lever les fesses, d'envoyer mon bras ici... Voilà. Et de rouler. Ce qu'il y a, Jen, c'est qu'il faut quand même un peu d'entraînement parce que, là, à partir du moment où on réfléchit, de toute façon, on est déjà comme ça. Donc, alors, oui, pour que ce soit un réflexe. Il faut que ce soit un réflexe. Justement, il ne faut pas que ce soit un réflexe, il faut que ce soit une méthode. Si on veut prendre vos cours, on va où? Où est-ce qu'on va pour prendre vos cours de défense? Alors, moi, je fonctionne avec plusieurs méthodes. J'ai une association où je donne des cours qui sont complètement gratuits aux femmes, que j'ai montée avec la ville de Villeneuve-la-Garenne. Donc ça, c'est tous les samedis à Villeneuve-la-Garenne de 11h à 13h. Et c'est totalement gratuit. Et ensuite, j'ai des formules où je donne des cours dans mon studio qui est rue de Courcelles à Paris. Donc là, c'est des cours privés ou à deux. Et après, j'interviens également dans de nombreuses entreprises sous forme de séminaires, de stages ou d'autres choses comme ça. Que vous disent les femmes qui viennent vous voir? Est-ce qu'elles ont des histoires à chaque fois douloureuses? Est-ce que vous avez l'impression de les sauver? Alors oui, moi, ce que j'arrive à créer chez ces femmes-là, c'est assez fort parce qu'au départ, elles viennent en se disant « je vais apprendre à me battre, je vais apprendre », mais moi, je leur apporte quand même totalement autre chose, notamment en termes d'estime de soi, de confiance en soi, et ça, c'est le plus important. Après, j'ai en effet des femmes qui viennent me voir avec des histoires qui sont complètement, complètement dramatiques. Mais moi, ce que je remarque, c'est que quand les femmes arrivent dans mes cours, qu'elles arrivent à passer à l'action physiquement, et bien derrière, ça va les débloquer sur pas mal de choses. Parce qu'elles se disent, si physiquement, j'arrive à passer à l'action, je vais pouvoir passer à l'action socialement, je vais pouvoir passer à l'action administrativement, ben, ça débloque pas mal de choses. Et vous, à quel moment vous avez choisi les sports de combat et pourquoi ? Moi, je voulais en faire très petite, mais mes parents ne voulaient pas. J'ai toujours été fan de bagarre. Alors, je ne me suis jamais battue de ma vie parce que j'ai ce petit truc qui sait que je ne pourrais pas m'arrêter si jamais j'en venais vraiment à me battre. Mais par contre, j'ai toujours voulu pratiquer et j'ai attendu 33 ans avant de commencer.
J'ai commencé à 33, 35, je suis devenue championne du monde. Voilà, donc aujourd'hui, j'en ai 42. Mais vous êtes prédestinée, non ? À la bagarre, oui, j'ai l'impression. Non, mais c'est presque dans votre ADN, dans vos gènes. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été engagée dans des assos féministes et j'ai toujours voulu prendre la défense des femmes. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours animée, que ce soit socialement ou que ce soit physiquement. Mais après, oui, je pense que j'ai une aptitude. Depuis que j'ai 5 ans, je veux prouver au monde entier qu'on m'interdit de faire des choses parce que je ne suis pas un garçon, que je suis beaucoup plus forte que la plupart des garçons. Et des obstacles, il y en a eu, ils sont nombreux. La première, c'est que votre catégorie de poids n'existe pas. Les plus de 70 kilos chez les femmes, ouais. Ça n'existe pas en MMA, c'est ça ? En MMA, voilà. Alors, autant en grappling, c'est ce qui a fait que j'ai pu devenir championne du monde. En MMA, on vient souvent me chercher en me disant « Ouais, mais t'as pas tant de combats que ça ». Mais en fait, il faut comprendre que c'est pas comme chez les hommes. Il n'y a pas autant de catégories de poids. Et même à l'UFC, aujourd'hui, la catégorie de poids 70 n'existe pas. C'est un problème. C'est un problème parce qu'on est encore sur cette image très des femmes qui sont lourdes, c'est pas beau à regarder. Vous le voyez d'ailleurs. Bah ouais, on voit bien ça. Le contraire. Oui, c'est parce que vous évoluez quand même dans un monde très masculin. On hypersexualise quand même le corps des femmes dans ces pratiques-là. Est-ce qu'il y a des hommes qui continuent à vous expliquer comment il faut faire ? Bien sûr, ça c'est la base. C'est la base des relations. Ça c'est tous les jours sur les réseaux. Donc ça veut dire que c'est un combat permanent en fait pour vous encore aujourd'hui. C'est un combat permanent, oui. Et vous êtes battante à tous les niveaux parce qu'en plus vous luttez contre l'endométriose, vous prenez un traitement qui a eu des conséquences même sur votre condition physique parce que si vous êtes aussi forte, c'est parce que vous avez aussi beaucoup de testostérone et ce traitement a fait que vous en avez moins, ça a altéré vos capacités. Oui, ça a altéré mes capacités. Après, il faut savoir aussi qu'à 24 ans, l'année où j'ai eu mon CAPES, je me suis fait opérer de l'épaule et pendant 8 ans, je ne pouvais plus lever le bras droit, donc j'avais un statut de travailleur handicapé au sein de l'éducation nationale. Et à 33 ans, j'ai décidé, en fait, stop, plus personne ne me dictera et il ne me reste pas beaucoup de temps pour... mon rêve, c'était de devenir championne du monde. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. On y va, on fonce. Donc, Et elles sont nombreuses à appeler leur fille JN. Oui, j'ai plein de petites JN.